Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la présentation de l'épisode de Mad Max. Donc chers amis, comme prévu dans le précédent épisode, nous allons tout simplement aller faire quelques zones. Vous voyez que par exemple là, dans cette zone là, on n'a rien fait du tout. Mais quand je dis rien du tout, on n'a même pas fait la montgolfière. On n'a pas fait non plus, bah forcément, le convoi. Donc je pense qu'on va aller se faire la montgolfière déjà pour commencer. Et qu'ensuite on verra donc ce qu'il y a d'autre à faire dans cette région. Je vais essayer de vraiment maximiser le temps que je vais passer dans chaque vidéo à réaliser donc tout ce qui est annexe. Pourquoi ? Simplement parce que je veux quand même avancer dans l'aventure et je me rends compte que l'aventure finale elle avance pas des masses. Par conséquent, donc je vais faire des épisodes un peu plus longs. Je m'étais remis à faire des 20 minutes. 20 minutes c'est vraiment trop court, j'en suis désolé, j'ai remarqué, hein, mais malheureusement pour moi c'est ce qui est le plus rapide forcément à uploader aussi. Donc faut que je trouve un compromis, donc je pense que je vais faire 30 minutes pour cet épisode, on va bien voir. Et pour les prochains aussi je pense. Et on va voir si c'est vraiment vraiment plus agréable pour vous à suivre. Et plus, disons, plus actif pour moi à jouer, disons, dans l'aventure, tout autant que dans l'univers en fait. Parce que bon, on reconnaît tous la différence qu'il y a. Ah, tiens donc. Alors merci à ceux qui m'expliquent les différentes règles du jeu. Comme par exemple ici le bouclier en fait empêche complètement le fait que je puisse ou non le harponner. Hop. Voilà. Boum. Tiens, reste par là avec ta roue. Hop. Ça t'apprendra. Alors, on aura aussi donc des charges à faire. Surtout regardez s'il n'y a pas les nettoyeurs, voilà des pièces. Avant tout faire celles qui ont des pièces ou des châssis. Les châssis des différents véhicules. Alors les mecs, on a un problème ? Ah non, aucun problème. Pas le moins du monde. C'est en train de prendre le soleil, j'imagine. Bah, je suis désolé, je suis venu vous embêter. Alors, c'est par là, semble-t-il. Ensuite, c'est à gauche. Puis à droite. Alors. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ok. Pourquoi pas? Dis donc, ça a l'air balèze comme endroit en plus. Explosion. Bon. Alors, est-ce que je peux prendre le harpon justement? Non du tout. Bon bah écoute. Chum. Alors. Fais péter s'il te plaît. Ah bah merde. Chum. Ah putain, je me trompe de bouton comme un con. Nom de Dieu. Pas pourquoi j'appuie sur l'autre gâchette. Voilà. Merci, chum. Ton aide m'est vraiment précieuse. Alors, on saute. On ressaute. Donc on a une ferraille et une relique, on est d'accord. Hop. La ferraille est là. Si jamais tu me dis que j'ai besoin d'essence, ça va pas le faire. Alors.
Je vérifie qu'il n'y a rien qui me bloque. Bon, ça devrait être bon. On y va. Monte. De l'essence. Oui, c'est bon. Il y en a. Parfait. On monte. Allez, hop. Allez. Je vois la relique. En plus, elle est juste là. C'est joli tout ça. Alors, on y est. Ça s'appelle donc les gorges de sable. D'accord. Bah écoute, allons-y. Oui. Oui, tu te répètes un petit peu, mon pote. Pas des masses de choses à voir par là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Un sniper ici, une station de pompage là-bas. Là-bas, il y a une course à la mort. What? Ah oui, je m'en rappelle de ça. Bon, bah écoutez. Ah, il y a quelque chose ici. Un épouvantail. Un camp de transfert. Bon. Rangeons les jumelles, on va bien voir. Bon, oui, je pense qu'on a tout. Vérifions simplement s'il n'y a pas un ou deux points qui restent. J'en ai clairement pas l'impression. On descend. Bon, alors maintenant qu'on a fait tout ça, on va essayer de libérer plus ou moins la zone. On va laisser faire le convoi, je pense. Voilà. Hop. On va prendre la relique. Barbecue. Rotation. Heureusement, j'ai préprimé ça avant que le réseau tombe en panne. Je sens encore cette bonne odeur de viande. Je me demande si la bière et les barbecues reviendront un jour. Mais c'est pas celle qu'on aimerait manger, tout à fait. Yo. Oula, c'est vraiment limite, hein, des fois. On y va. Bien, t'as réparé la caisse. Maintenant, on roule. Sauf qu'on a différentes armes que j'aimerais essayer. D'ailleurs, au niveau de ces armes, je fais encore une coupure, je suis désolé, chers amis. Ces armes, on peut les améliorer normalement. Voilà. J'aimerais réduire, vous savez, la durée un petit peu. Faut que je baisse encore un peu. Ok, c'est parti, on y va. Il y a un sniper juste là. Ça m'ennuie de pas être allé le faire, à vrai dire. On va y aller. D'ailleurs. Boum. Ça, c'était beau, chers amis. À gauche. Hop, on est bon. On va bien les rattraper. Ils sont pas derrière nous quand même. Non. Raté. Vous ne me rattraperez pas. C'est pas vous que je chasse. Ah. Là, ça devient intéressant. Boum. Oh, c'est moi qui ai tout pris. Pourquoi c'est moi qui ai tout pris? Boum! C'est pratique ça. Hop. Et on y retourne.
Tiens, regarde, regardez celui-là. Non, toi tu dégages. Hop. Ah, donc apparemment la personne qui m'a dit ça s'est trompée. Boum. Oh, ce sont des choses qui arrivent, chers amis. Hop, désolé bonhomme. Hop, parfait. Hop les. C'est fait, chers amis. Hop. Vite, sors. Mais non. Mais le pire, c'est que je l'avais fait sortir. Pourquoi il est retourné à l'intérieur? Là, le jeu m'a niqué. J'aime pas ça, chers amis. J'aime franchement pas ça. Non, là ça va pas le faire. J'aime vraiment pas quand le jeu me fait ça. Je l'ai vu, on l'a vu le truc sortir, on a vu se balader. Et ça m'énerve. J'aime vraiment pas quand le jeu se moque de moi. Voilà, faut que j'aille là maintenant. Sauf s'il accepte que je me téléporte là. Non, bah non, bah faut que j'y aille, alors on y va. Attendez, peut-être qu'il veut bien que je me téléporte ailleurs. Genre là. Déjà, c'est peut-être là ça de gagner. On verra bien. Alors, oui, j'aime vraiment pas quand je me fais ça. Franchement, là, j'ai trouvé ça très très vilain. Surtout que moi, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai vu que... Enfin, j'ai cru le voir sortir. Et au final, on m'a floué. Je déteste ça. Enfin bon. Juste derrière... J'ai de l'élite dans le jour où ça tournait, je prends mon pied à y jouer en ce moment. Franchement, chers amis, là vous voyez, j'en ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça. Je n'ai pas beaucoup d'arguments pour dire n'achète pas le jeu. Alors. Alors. Allons-y, on y est presque. On va aller récupérer la pièce. Cette pièce qui sera donc... Oh les freins, c'est pas encore tout à fait ça hein. L'ornement de capot sera donc assez moche, installé à l'arrière. Alors, je vois là un camp qui détient la réserve d'eau. Donc on va aller le chercher. Hop. Et de une. Et de deux. Et de trois. Raté. Ah là, je suis étonné. Là, je touche là. Voilà. Alors apparemment j'ai pas toutes les protections du camp. Allez pousse. Effectivement c'est le cas, je ne les ai pas toutes. Hop. Alors. Je ne comprends pas comment je peux passer. Il y a de l'info autour? Il n'y a aucune info.
tenter ma chance, écoutez. Alors vraiment ne plus avoir de trucs comme ça. Attends, c'est là. Ah, c'est bien là. Voilà. Défense du périmètre éliminée. Salut les mecs. Qu'est-ce qu'il y a par là? Pièce, ferraille, emblème. D'accord. Bref, il y a du boulot. Ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Là, il y en a une. Ah ah, bien caché. Ah, je peux passer? T'es sérieux? Bah putain. Mais comment je vais la chercher? Mais comment je vais la chercher, la ferraille? Putain, faut que je pète les voitures, peut-être. Alors, attendez. Bah non. J'y vais justement exprès pour ça, recule pas. Hop, de la ferraille. Apparemment, celle-là n'en faisait pas partie, celle-là non plus. C'est cool. Alors, une arme de cac. Salut les mecs. Boum. Désolé. Boum. Non. Oh. Voilà. Non. Et non. Et boum. Boum. Ça c'est fait. Boum. Et crac. Voilà, ça c'est du fight, chers amis. Ça, c'est du talent. La ceinture de munitions est pleine. Ah, j'aurais dû m'utiliser un petit peu. Alors, brise. Bim. Bam. Boum. Ici, on a deux de ferraille. Est-ce que c'est les bons, cette fois-ci? Oui. Bah écoutez, s'ils sont tous montrés comme ça, ça sera cool. Alors, pourquoi j'ai une baisse de FPS? J'espère que j'ai pas internet qui tourne derrière. Alors, ici j'ai encore une espèce de cache. Ah, j'ai bien fait d'aller chercher. Et le 3. 3 sur 6, un emblème. On progresse. Allez, chers amis, à la 1, à la 2 et à la 3. Bonjour. Bonjour. Ça vous met dans l'ambiance? Oh, il a fait un double. Allez-y les mecs, venez. Boum. Non. Boum. Mais ben non. Non plus. Boum. Aïe. Bam, je voulais le mettre contre le truc, mais bon, j'ai pas réussi. Ah, c'est chiant. On n'arrive pas à faire ce qu'on veut des ennemis, c'est vraiment triste. Les ennemis de nos jours. Alors, un emblème. 1, 2 et 3. Des munitions. C'est bon. Et le fameux élément de projet. Hop, 1 sur 2. Cool.
Jusque-là, j'ai pas trop besoin de flotte en ce moment. Je me démerde plutôt bien, je trouve. Et on en est déjà, malheureusement, à cet endroit si important. Ce qui m'intrigue. Ce qui m'intrigue. Et justement, regardez, il y a un truc par là. Hop. Alors. C'est qu'on est monté drôlement haut. Ah, voilà le troisième emblème. Il nous reste deux de ferraille et une relique historique. Trouvée. Alors, encore une ferraille et une relique. Ce qui m'intrigue, je l'avoue, ça m'intrigue. Une ferraille. Ah ah ! Ouais, j'avais pas regardé, c'est vrai. Et pour ce qui est de la relique, je suis encore plus intrigué. Parce que je ne l'ai pas vue du tout. Pourtant, j'ai fouillé les zones où elle pourrait être. Possiblement, on va dire. Alors, elle peut pas être là, elle est pas là. Mais d'accord, non. Pourtant, elle est assez balèze au sol, la relique. Hein. Alors, où est-ce que j'aurais pu l'oublier? Sur un côté, là, j'avais pensé tout à l'heure. Non. Elle est pas là, on est d'accord. J'ai des munitions, par contre. Donc, ce qui implique, ce qui montre à quel point je ne suis pas aussi attentif que je ne devrais l'être. Alors, ici, il n'y a absolument rien. Là, j'ai le truc en plus que je voulais prendre. Ici aussi. Alors le jeu m'indique que j'ai bel et bien trouvé le bon endroit, mais c'est pas ça que je cherche pour le moment. Je cherche vraiment la relique, la fameuse relique. Alors ce qui m'embête, c'est qu'il y avait plein de choses voilà par là. Haha ! Non, non, ça a pas l'air d'être ça. Ça sert à être une entrée secrète. Non, oui, non. Oui, clairement, c'est une entrée secrète que je n'ai pas vue. Le problème, c'est que je ne suis... Oui, voilà, je ne suis plus dedans. Bon. Écoutez, j'ai préféré bourrer l'entrée, ça fait de l'action. C'est cette relique historique qui m'intrigue le plus, au final. T'aimes pas cet endroit? Mais j'en ai rien à cirer que tu l'aimes pas, cet endroit. Ce sera ta maison. Tu y vivras pour le restant de tes jours, loin de la Magnum Opus. Ah, j'ai fini par enregistrer Magnum Opus, c'est plus au pouce. C'est cool. Je suis devenu moins bête. Bon. Voilà. Alors. Où est-ce que j'ai pas fait gaffe? Non. Putain. Je la vois pas du tout, hein. C'est nope, hein. C'est access denied. Ah, j'aime pas ça. C'est casse-couille, je dis que je veux aller vite et au final le jeu me ralentit, j'aime vraiment pas. Je te trouve très très pute. Ça ne se fait pas. Putain, elle est juste là. Comment je pouvais la voir? On peut chercher au sol, moi. Frangine, c'est partout pareil, les gens se réveillent enfin, cet état policier est fasciste. Va se frotter un adversaire très dangereux à un peuple conscient. En attendant ce jour, reste forte, Marvin. When people truly became aware, it was too late. The end was upon us. Alors, parce que la traduction, c'est la loi est faite pour me servir et pas pour être, pour être mon serviteur, pour être à mon service et pas et ne pas être mon maître. Mais elle reste celle qui me torture et celle qui me tue. Voilà la traduction plus ou moins fidèle que je peux en faire maintenant. Bon!
Alors, le problème, c'est que voilà, j'ai une baisse de FPS. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai cette baisse de FPS tout le temps. Ça ne faisait pas ça avant. Je sais qu'il y a plein de mises à jour vis-à-vis du jeu. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Pour être tout à fait franc, avant, j'arrivais à le faire tourner en 4K et à tourner. Et maintenant, c'est une chose impossible à réaliser, hein. Hop les 12 camps. C'est fait. Il nous reste 5 petites minutes, chers amis, pour faire la demi-heure, je pense. On va pouvoir aller s'amuser. Hop. Parfait. Niveau 3, niveau 4 de Nomade Béni, c'est cool. Menace réduite. De combien? Ah, les camps, c'est toujours aussi efficace, hein. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans la zone? La course à la mort. Bah tiens, c'est là qu'on va aller se faire, chers amis. On va aller se frotter un petit peu à d'autres coureurs. Alors. Reprenons la route, c'est bon. Ah bah mais, ah non, elle est là. Je croyais qu'il s'était barré avec. Salaud, c'est ma voiture malgré tout. C'est toi qui l'as construit, mais c'est ma voiture. C'est toi qui avais les plans, mais c'est ma voiture, c'est moi qui l'a conduit, donc c'est ma voiture. C'est ce que tous les voleurs disent aux policiers. C'est moi qui l'ai conduite, c'est ma voiture maintenant. Blaf, ça je voulais pas le faire, ça. Ça non plus. Oh bah merde. Ah. Ah. C'est effectivement un problème. Peux-tu réparer la caisse, Moduglan? Hurry up and fix the car. Yes, yes, yes. I will nurse her back to health. Alors, c'est bon. Mais je comprends toujours pas comment il passe les vitesses, c'est casse-couille. Il peut pas avoir une boîte automatique, c'est pas possible. Course à la mort. Voilà, je me suis garé comme il faut. Escarpement. D'accord, c'est le nom de la course. Ok, pourquoi pas. Alors. Course dispensée, je vais essayer votre inter. D'accord, traceur blindé. Cavalière d'argent, elle est belle. Guetteur cuirassé. Hein, ouh, les deux sont jolis. On va prendre celle-ci. Guetteur cuirassé. On va bien voir ce que ça va donner. Après tout, pourquoi pas. Et c'est parti! Oh, l'accélération à chaque passage de vitesse est violente. What? Non, tu te calmes. Oh, les bruits des véhicules, par contre, c'est bien du Mad Max, hein. Le contrôle est vraiment pas top. Dès qu'elle tourne, vous voyez les embardés qu'elle fait dès que je touche un petit peu le volant. Enfin le guide, le stick du coup. On me colle au cul. Je ne tiens uniquement que parce que j'arrive à suivre en fait la route. Je dis ça et puis à ce moment-là, bizarrement, vous avez vu ce qui s'est passé. Hop. Et franchement, elle est inconduisible. Sinon, vous le voyez bien, j'arrive pas à suivre la ligne. En fait, j'essaie de compenser et du coup, elle fait des embardées de folie. À quoi ça sert une voiture comme ça? Je vous le demande. Putain. Non! Non! À une seconde près, je l'ai pas eu. À 43 centièmes, on la refait. Je suis désolé, on l'a refait. Hop, on a dépassé les 30 minutes. Enfin, on va atteindre les 30 minutes. Plus l'intro, plus l'outro, ça a dépassé les 30 minutes normalement. Je pense. Ou alors c'est vraiment ric-rac. Alors.
T'évites de faire ça dès le début, s'il te plaît, merci. Là aussi, ça pue. Hein. Non, 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 c'est faux. C'est faux. C'est faux, chers amis. C'est entièrement faux. Alors, essayons de couper. Oh mais non! Mais elle a pas supporté le moindre saut, t'es sérieux? Est-ce que dans pause je peux faire par exemple? Ah! C'est naze! C'est naze! J'aurais dû y arriver, mais elle a pas voulu faire ce putain de saut! Je vais y arriver, chers amis, hein. Fuck it! Non mais j'aurais pas, je sais bien que je suis pas premier même. Alors bon. Il est con ce jeu. Ah bah voilà, normalement je suis censé avoir perdu. Il devrait me dire que j'ai perdu parce qu'il faut être premier pour gagner. Mais non. Voilà, réessayez. Allez hop, on y retourne. Oh là là. Il est casse à couille. Alors le contenu bonus exclusif à des événements concernant Mad Max, je suis curieux de le voir, le contenu bonus exclusif. Hein. C'est parti! Taïo et Taïo et Taïo! La musique me fait beaucoup penser à celle de Batman. La trajectoire était moisie. Le problème c'est que dès que tu veux trajecturer avec ce machin là, tu tournes, tu prends le virage à 90, bizarrement. Si vous saviez comme je suis gentil sur le volant. What? Voilà, j'ai trop freiné là, je suis persuadé d'avoir trop freiné. Regardez celui qui est juste derrière qui me rattrape là, plein pot. Et ils savent très bien que la voiture est pas conduisible parce que vous voyez, ils ont pris un tracé qui est vraiment plein de petits virages cons. Non. Vite. Oui, je l'ai eu. Oh putain, je l'ai eu de justesse. Oh la vache. Ça s'est joué à rien, ça s'est joué à 51 centièmes, chers amis, je crois. Je crois que c'est un 24, hein. Alors, ensuite, donc ça devient jaune, ça s'éclaircit, hein, chers amis. On va pouvoir aller donc directement dans ces zones-là, faire les deux derniers trucs dans le prochain épisode, je pense qu'on les fera, et on ira peut-être faire le petit épouvantail qui est resté là-haut tout seul, le pauvre garçon. Et ensuite, je pense qu'on fera les champs de mines de ces deux zones. Il y aura beaucoup de choses à faire. Ou alors, attendez. Hop, vous savez quoi? Déplacement rapide. On va aller chercher tout de suite l'épouvantail. Hop. Ça nous fera déjà ça de moins à faire, chers amis. Et bah pour vous, ça fera un épisode un peu plus long, légèrement plus long. Et oui, c'est ça reste. Parce que là, il va approcher des 40 minutes. Ça restera. 40 minutes, ça restera normalement. Rare. Hein. 40 minutes, c'est ce que j'ai fait pendant un temps. Et c'est vraiment très très long à uploader. Je mets 2-3 heures à uploader la vidéo. Ce qui est beaucoup trop si je veux en tourner d'autres, par exemple, dans la journée. Ou si je veux, par exemple, faire. M'avancer dans les Dangerous ou n'importe quoi, ou faire de Robocraft, m'avancer dans Robocraft. Que ce soit l'un ou l'autre, même si c'est vrai que Robocraft actuellement je suis un peu en mode rage dessus là. L'un dans l'autre, je vais peut-être avoir besoin d'un peu de temps et pour ça. Pour ça. T'es sérieux, mais comment tu peux me rattraper dans la.
Ah non, mais vous allez pas me foutre là dans la merde comme ça. Voilà, donc normalement à chaque ricochet mon coup est plus puissant. Bien sûr, il vient de passer en dessous. Enfin, je viens de passer en dessous de lui, c'est cool. Ricochet. Ah, ils se sont barrés. Alors ça, je m'attendais pas. Non, je me suis trompé de... Ouf, putain. Aeromobile, she flies. Oh putain, il y a un sniper au-dessus. C'est joli comme endroit, dis donc, en plus. Ça fait la moitié asiatique, bizarrement. Alors, on retente notre chance. Wouhou! Et voilà, chers amis, sur cette fin d'épisode, nous allons se laisser. Enfin, sur ce dernier cliffhanger, nous allons nous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer toujours dans la bannière ou encore dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire GameSpot.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vais vous laisser et je vous dis à demain pour d'autres vidéos sur Mad Max. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres épisodes. Salut les gens!